Bonjour à tous. Il est 8 h. Aujourd'hui, on va commencer notre cours de Pilates débutant un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir après le visionner en différé. Voilà, on se réveille. Aujourd'hui, donc, c'est le cours débutant, toujours, numéro 5. Vous allez chercher un petit matériel chez vous si vous avez, bien sûr. Ce n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui, je vous propose un travail avec une sangle. Vous avez une sangle soit élastique. Si vous n'avez pas de sangle élastique, ce n'est pas de problème. Vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, une ceinture tout court de bantal. On a besoin également de coussins. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on replace un petit peu le travail avec les ballons. Avec les coussins. Donc, prenons-en deux. Ça peut être un si vous en avez un seul, mais on aura besoin des coussins. Voilà. Et juste un petit mot pour ceux qui n'ont jamais encore pratiqué les pilates. Ces cours sont vraiment adaptés à vous, justement, pour un petit peu apprendre les bases, bien se positionner. Si vous trouvez ces cours un petit peu trop faciles, vous pouvez le considérer comme un cours un peu plus détente. Sinon, n'hésitez pas à aller voir mes cours intermédiaires et mes cours avancés aussi. Voilà. Et on va tout doucement se mettre debout pour commencer aujourd'hui debout. J'espère qu'on va me voir un petit peu. Je vais peut-être couper, mais c'est pas grave. Allez, donc vous allez vous placer de manière à avoir les pieds parallèles pour le moment à largeur du bassin. Posez les mains sur la hanche. On va d'abord décoller ses orteils du sol. Je ne sais pas si ça se voit. Écartez vers l'extérieur et reposez délicatement au sol. De manière à agripper un petit peu le sol avec ce pied. Je me mets de profil. On va pouvoir maintenant plier légèrement le genou de manière à garder le bassin toujours aligné avec le talon et les épaules. Le menton reste légèrement rentré. On va pouvoir bouger son bassin. Essaye. À l'expire, poussez ton coccyx vers l'avant. Et à l'inspire, poussez ton coccyx vers l'arrière. Voilà. Sans que le genou, sans que les pieds et les épaules se déplacent. Que le coccyx vers l'avant et vers l'arrière. Donc, au niveau du dos, tu vas avoir la sensation que le dos s'arrondit et le dos se creuse. D'accord? Encore. Le dos s'arrondit et le dos se creuse. Maintenant, allez vraiment loin dans les mouvements. Pas bien sûr jusqu'à la douleur si vous avez de la douleur au niveau du dos, mais jusqu'à la sensation où ça s'étire, ça se détend. On cherche un petit peu plus ça. On va faire déjà une dernière fois devant. Et derrière, et on va retrouver juste au milieu la position du bassin neutre. Entre les deux extrémités qu'on vient de retrouver, tu retrouves juste au milieu exactement et tu rentres un petit peu les coccyx. On va tendre le jambes. On va respirer avec les bras. À l'inspiration, on va faire des grands cercles avec les bras. Mais avant ça, on inspire que dans les côtes. Pose une main sur les côtes, l'une sur le ventre. Inspire. On remplit que les côtes. On sent que le ventre ne bouge pas. Et expire. Donc, puisque je ne veux pas que vous poussez trop côte vers l'avant, mais plus vers l'extérieur, pose la main bien sur l'extérieur. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On resserre bien ses abdominaux vers l'intérieur et le périnée, on commence à engager aussi en bas. Donc, tous les muscles du périnée montent vers le haut. On continue, inspire. Que dans les côtes, expire. Et encore une fois, inspire. Sans que les côtes s'écartent vers la main et pas vers le ventre. Voir vers la main du ventre. Expire. Bien, on va étirer les bras vers le sol. À l'inspire, tu fais pareil. Remplis les côtes, maintenant étire les bras vers l'arrière. Expire, faites des grands cercles vers l'arrière un petit peu. Et sur le côté, inspire. Expire, tire un peu vers l'arrière pour étirer tes épaules.
Encore. Inspire. Et expire. Le menton reste rentré, toute la colonne vertébrale bien alignée. Encore une, étire tes épaules. Et expire. Reste là, on va incliner. Inspire, grandis ses bras, se détasse. Continue à grandir. Expire, on s'incline vers l'avant. On rajoute les bras, inspire. Ramène les bras près de l'oreille. Expire, reviens avec les bras. Et le corps. On fait pareil, inspire, grandis. Expire, incline. Comme si tu glissais ton dos contre un mur. Pensons que sur le bassin. Inspire, ramène les bras vers l'oreille. Expire, ramène les bras vers la cuisse et on se redresse. Inspire. Resserre le périnée des abdominaux. Expire. Continue à dégrandir. Inspire les bras. Expire les bras. Et à la fin, la tête. Inspire une dernière fois. Garde le menton légèrement rentré. Expire, incline. Inspire, ramène les bras près de l'oreille. Expire, reviens. Très bien. On va maintenant enrouler tous les dos. Donc, on va pouvoir commencer tout doucement à enrouler la tête, les épaules, etc. Mais d'abord, bien sûr, on attend la respiration. Ça marche? Allez, inspire, grandis. Le menton rentré, on grandit. Expire, enroule la tête, les épaules. Soit on pousse les bassins vers l'arrière. On essaie de tenir la tête plus près des cuisses possible. Allez, tout en bas. Relâche bien ton dos. Une fois en bas, inspire, on plisse le genou un petit peu. Détends davantage les bas du dos et les cuisses. Et à l'expire, on commence à dérouler les dos vertèbre par vertèbre. Voilà, une fois on est en haut, on refait la même chose. Inspire. Expire, enroule la tête. Les épaules. Tiens, ton dos, sans que ton bas du dos est en train de s'étirer. Tiens ton bassin, les poids du corps légèrement à l'avant des pieds. Inspire, plie le genou. Pose la poitrine sur les cuisses. Expire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et à la fin, retrouve le dos droit. Pousse dans tes talons. Conscient et bien sur ses appuis. D'accord? Donc, on ressent toutes les parties du corps. Encore une fois, inspire. Garde le ventre rentré. Expire, on enroule la tête. Les épaules. Une fois en bas, inspire, plie le genou tout doucement, pose la poitrine sur les cuisses. Expire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Très bien, bravo. Allez, avant d'aller au sol, on fera encore un exercice ici debout. N'hésitez pas à vous tenir à quelque chose si vous avez une table ou un mur à côté de vous. Regardez, on va placer les pieds en première position pilates. Donc on a à peu près 90 degrés entre les deux pieds. On presse bien un talon contre l'autre. Pose les mains sur la hanche pour maintenir le bassin neutre. À l'inspiration, on va essayer de décoller les deux talons du sol. On les presse bien vers l'intérieur. Resserre les périnées. Serre les abdominaux. Et à l'expire, on repose les talons au sol. Et on va faire encore 4 fois. Inspire. Et expire. Voilà. Donc, éleveur courant, ce que quand vous mouvement. Quand vous vous relevez sur la demi-pointe, vous écartez vos talons. Okay? Il faut essayer de garder les talons bien resserrés. Expire, reposez les talons. Très bien, encore 2 fois, courage. Inspire, serre les abdominaux, expire. Voilà. Moi, je suis tombée, ça arrive. Encore 2 fois, inspire, pose dans ton gros orteil. Allez, pousse. Expire, voilà. C'est les gros orteils qui nous font relever sur la pointe des pieds. Qui nous fait propulser. Une dernière fois, inspire. Et on a bien réveillé tous les cuisses normalement. Expire. On replace les pieds parallèles. On vient sur son tapis si vous n'étiez pas sur votre tapis. On s'agrandit, inspire. À l'expire, on roule la tête, les épaules et tous les dents pour venir tout doucement ici, détendre un petit peu tous les corps, étire l'arrière de la cuisse. Inspire, on va plier le genou, on va venir sur le genou. Et avant de venir allonger au sol, on va faire le chat.
Placez bien les mains face aux épaules, le genou à la hauteur de la hanche. Et on va inspirer, arrondir le dos sur la respiration. Expirez, creusez. Centre tiré avec la tête, juste détend ton bas du dos en relâchant vers les bas. Encore inspirez, arrondir le dos. Proxys rentrez, expirez. Donc, comme tout à l'heure au début, en fait, c'est le même mouvement comme on a fait pour retrouver les bassins neutres. On bouge bien son bassin. Inspirez. En rétroversion. Expirez en antéversion du bassin. Encore deux fois. Inspire. Expire. Détends bien ton dos une dernière fois. Inspire. On se sent avec les bras, on serre les périnées. Expire. On va voir si on a l'équilibre ce matin. Donc, alignez votre dos, retrouve ton bassin neutre. On va essayer de faire petit à petit. Tends la jambe droite derrière. Garde ton bassin parallèle au sol. D'accord? Donc, ça n'a pas changé, on n'a pas ouvert les bassins. Inspire, lève la jambe à 90 degrés par rapport à l'autre cuisse. Et on tient un petit peu. J'ai 8. 7, 6, 5, allonge bien la jambe jusqu'au bout des orteils au maximum et aussi ta colonne vertébrale, 2, 1 et repose la jambe. Bien, on va faire votre jambe, on y va, inspire dans la jambe gauche, lève du sol et étire jusqu'à la pointe des pieds. Essaye d'articuler ton pied. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tiens ton fessier, resserre le périnée, et 1, et on repose tout doucement son genou. On va pousser le bassin sur le talon et retirer un petit peu le dos et main. Très bien, et enfin on va venir un petit peu sur le dos. Donc venez vous asseoir au bord du tapis. Les pieds de manière agréable, pas trop serrés, pas trop écartés. Essayez de les placer à largeur de tes épaules ou de ton bassin. La place derrière pour s'allonger, votre matériel n'est pas très loin. À l'inspiration, on va déjà ramener les bras face aux épaules, puisque c'est notre cinquième cours. Normalement, on essaie déjà de se tenir droit tout seul. À l'expiration, on bascule le bassin vers l'arrière, arrondi par le bas du dos. Regardez le nombril. Étire les bras loin vers l'avant, garde les épaules basses et les bas du dos bien vers le sol. À l'inspire, on se redresse, on se grandit, on retrouve le dos en poussant dans son assis. Et on refait encore, expire. 2, 3, inspire. 2, pousse en assis, dos neutre, expire. On va essayer de retrouver toutes les courbures naturelles. Épaules basses, inspire. Grandis dos droit, relâche tes épaules, encore expire. Serre le périnée vers l'intérieur. Inspire, 2 et 3, une dernière fois, expire. 2 et 3, inspire. Très bien, on va se tenir droit, on va faire des cercles avec les bras. À l'inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, étire vers l'arrière. Très bien, dos droit, reste droit. Inspire. Expire. Encore deux fois. Inspire. Donc, quand vous allez derrière, vous tirez loin au maximum, tout en gardant les épaules basses. Dernière fois, inspire. Tiens ton dos droit. Et expire. Bien. Vous avez la place derrière, j'espère. À l'inspire, on étire les bras devant. Et à l'expire, on va redescendre le dos, donc bascule le bassin, puis essaye de freiner pour délicatement poser tes lombaires, les omoplates, les épaules et la tête. Rapprochez le talon vers les fessiers. On va d'abord retrouver son bassin neutre, donc à l'inspire, tu cambres le dos au maximum, à l'expire, tu colles le bas du dos au sol. Comme tout à l'heure, on mobilise son bassin, coccyx vers le sol.
coccyx vers le plafond. Antéversion, inspire, le ventre reste rentré. Et rétroversion, expire. Antéversion, inspire. Rétroversion, expire. Encore deux, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Bien, et une fois qu'on a bien mobilisé les dents, on retrouve son bassin neutre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut toujours avoir un léger espace entre les bas du dos et les tapis. Même si vous n'avez pas, parce qu'en fonction des morphologies, peut-être qu'il est un petit peu collé, il ne faut pas plaquer ou presser son bas du dos dans le sol. D'accord ? On va à nouveau faire le cercle avec les bras aujourd'hui. Inspire, tire le bras derrière la tête sans poser au sol. Tu les arrêtes près des oreilles. À l'expire, tu ramènes les bras le long du corps. Enroule la tête, enroule les épaules. Un peu aujourd'hui, on enroule un peu. Regarde les nombrils, resserre les périnées. Donc le bassin n'a pas basculé. Donc il y a zéro action du cou du bassin, on le maintient neutre. Et on repose, inspire. Attention, si vous avez mal à la nuque encore, si vous avez des problèmes à la nuque, vous gardez la tête au sol et vous faites que tirer avec les bras. Ça marche encore. Inspire. Expire. Je peux relever la tête si tu as envie. Les épaules tirent loin derrière. Engage les périnées. Engage les abdominaux. Le regard sur le nombril. On refait encore trois fois. Inspire. Expire. Encore deux, inspire. Expire. Parfait. Une dernière fois, inspire. Et expire. Très bien, on reste là. Maintiens les périnées, maintiens les abdominaux. Et on dépose la tête et les épaules au sol. On va un petit peu challenger son bassin de nez. Pose les mains sur le bassin, enlève la jambe droite du sol, 90 degrés au niveau du genou et au niveau de la hanche. Donc on maintient avec son psoas. Relève la jambe gauche, pose la jambe droite, pose la jambe gauche, puis on commence à gauche. Lève la jambe gauche, lève la jambe droite, pose la jambe gauche, pose la jambe droite. Essaye de sentir que ton ventre reste toujours rentré vers l'intérieur, droite. Accélérer un petit peu. On fait inspire, inspire, expire. Stabilise tellement que tu ne sens pas du tout que ton haut du corps bouge. D'accord? Encore. Gauche, inspire, inspire, expire, expire. Dernière fois, droite. Et bien sûr, dernière fois, gauche. Parfait. On va replacer les pieds un peu plus près du bassin, les bras le long du corps, et on va faire le pelvic lift. Donc pour ça, tu dois d'abord coller ton bas du dos au sol, décoller les coccyx sacrum, les lombaires, les côtes, les omoplates, et pousser ton hanche vers le plafond, pas les côtes. Donc, hanche au maximum, étire ici au niveau de la cuisse, inspire en haut, puis expire, repose vertèbre par vertèbre, pour ça, comme si tu voulais masser ton dos. Presse un petit peu dans, tout en bas dans le sol. Et bien sûr, surtout les lombaires. À la fin, le bassin, le coccyx. On retrouve le bassin neutre. On sert toujours un peu de cette position pour apprendre le muscle à avoir ses réflexes. On refait. Inspire. Montez vertèbre par vertèbre comme une vague. Expire. Resserre bien les périnées et les abdominaux. Encore deux. Inspire. Poussez bien dans le talon. Expire. Parfait. Une dernière fois. Inspire. Et on reste en haut ici. Et on reste doucement. Expire. On va activer les bras. Inspire. Ramène les bras près des oreilles. Essaye de maintenir ton bassin en haut. Expire. Ramène les bras le long du corps. Si tu as mal au dos, tu peux descendre un tout petit peu. Okay. Encore. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Pose dans tes talons bien fort. Expire. Tu
Tire tes mains vers tes talons. Courage, une dernière fois. Inspire. Expire. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on redescend vertèbre par vertèbre au sol. Très bien. On va faire 100. Donc, pour ça, vous avez différentes options. Puisque c'est notre cinquième cours, vous pouvez déjà essayer de maintenir la posture de la tablette avec le jambe de la chaise renversée. Autrement dit, sinon, vous gardez les pieds au sol. D'accord? Si c'est par exemple votre premier cours et vous avez commencé avec le numéro 5. On va inspirer, enrouler la tête, enrouler les épaules. Et on va aujourd'hui faire 10 avec la tête relevée et 10 avec la tête posée. D'accord? Si vous avez mal à la nuque encore, vous pouvez garder la tête posée au sol. On y garantit, c'est pour aller loin vers l'avant, l'avant. Enroule bien les hauts du corps comme on a appris au tout début. Et on y va 5 battements sur inspire, 5 sur expire. C'est parti. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 10. Et pose la tête. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4. Si tu veux, lève la tête. 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4. On inspire 2. Accompagne toujours délicatement la tête au sol. 40, inspire, lève la tête tout doucement, continue à tirer plus fort encore avec les bras devant toi. Pose la tête, continue à tirer tes bras aussi. 60, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 70, inspire, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 80, inspire. Tiens-moi la manique, tu peux déjà garder la tête au sol. 80, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 90, dernier 10, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 100, bravo, et on étire le genou un petit peu sur sa poitrine, on attrape chaque genou avec chaque main, on va faire le cercle avec ses bas, c'est le genou vers l'extérieur, 5, et 4, relâche bien dans la hanche, 2 et 1, et l'autre sens, 5 et 4 et 3, 2 et 1, très bien, attrape l'arrière de la cuisse, lève la tête vers le genou et on se redresse. Alors, on aura besoin des coussins tout de suite. On les pose à peu près à la place de vos omoplates. Je vais s'en occuper après. Asseyez-vous bien sur vos racines. Grandissez vos doigts droits. À l'inspire, on va descendre sur les coussins tout doucement, vertèbre par vertèbre. Il faut avoir l'impression que vraiment les coussins soutiennent vos omoplates. D'accord ? On va commencer avec le jambe pliée pour avoir beaucoup plus de l'équilibre, de confort. Attention, la tête, elle est du coup levée. Il faut la peut-être maintenir avec les bras. Les coudes sont bien vers l'extérieur. On ne tire pas sur la tête, ça c'est super mauvais. On va juste faire inspire. Allez, vous étirez vers l'arrière. Garde le ventre rentré. Expire. On se redresse. Ça marche. Donc, pour ceux qui souhaitent, inspire. Normal, comme on vient de faire. Et expire, tu allonges le bras loin. Encore, inspire. Expire, allonge le bras loin. Très bien, encore un peu. Inspire. Et tire ton dos. Expire, resserre le périnée. Allonge le bras, allez, tire. Bien. Encore deux, inspire. Expire. Serre bien ton périnée. Une dernière fois, inspire. Ça fait vraiment du bien au dos. Le matin, on se repose bien. Expire. Et cette fois-ci, devenir un petit peu plus de genou. On essaie de se soulever directement. Dos droit, on arrondit le dos vers l'arrière, on tombe sur les coussins, si tu n'as pas besoin de bras, tu les mets derrière la tête, sinon tu essaies de tirer le bras derrière,
Expire, enroule la tête, enroule les épaules. Tu essaies de t'asseoir. Et si tu n'arrives pas à t'asseoir, continue la première option. Si c'est assez facile pour toi déjà, tu peux essayer d'étendre les jambes au pied flex. Inspire, en tendant sur le coussin. Tire les bras derrière. Expire, enroule la tête, enroule les épaules. On vient s'asseoir, on relâche. Attention, le coussin ne bouge pas. On va vers l'arrière. Encore, expire. Inspire. Expire. Et inspire. Encore, expire. Inspire. Expire. Et inspire, pas droit. Ça va, on va faire une dernière fois. Expire, épaules basses. Inspire. Expire, enroule la tête, enroule les épaules. Et inspire. Très bien, ça s'est bien passé. On va venir enlever les coussins. Prenez votre sangle. On va faire la préparation de rolling back and roll. Attrapez la sangle avec les deux bras à largeur des épaules. Tu vas plier tes genoux en direction vers les épaules. Hop. En maximum, on rapproche. On arrondit les doigts. On fait le scoop avec les doigts. Donc, les abdominaux bien rentrés, les abdominaux tiens. Okay. Vos talons sont ensemble. On ouvre légèrement les pieds à 90 degrés en première position. Tire les bras déjà loin devant. On va faire inspire. Tu te mets en équilibre. Décolle le pied du sol. Expire. Tire les bras loin devant. Et les dos loin vers l'arrière. Inspire. Et expire. Pose les pieds. On va faire sur deux temps uniquement. Inspire. Décolle les pieds. Tire les bras loin vers l'avant. Arrondis ton dos. Regarde les lombrilles. Expire. Pose les pieds au sol. D'accord. Encore. Inspire. Garde les épaules basses. C'est vraiment le bas du dos qui est arrondi. Le ventre qui est rentré. Et les bras détendus. Mais fort retiré vers l'avant. Et on repose. Très bien, on fait encore deux fois. Courage. Inspire. Serre les abdominaux en inspirant. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Bien, on va tout doucement garder la sangle. Prenez un coussin. Venez vous asseoir sur votre coussin. Ça va être un petit peu. Cirque. Allez, ramenez votre sangle derrière les pieds. On garde les jambes tendues, pliées, largeur des épaules, on tient sa sangle. Et on enroule le dos vers l'arrière, on essaie de s'allonger, puis on roule les jambes vers l'arrière. Ok? Bien, ramenez les coussins derrière le bassin. On tient aussi un petit peu les bas du dos. On tire la sangle en fonction de votre sangle. Je ne vous dis pas garder coup de sang et tout. Si vous avez une sangle élastique comme moi, la sangle pilates, vous pouvez garder le coup de sang. Si vous avez une ceinture, juste tiens ta sangle et tu vas bien moduler en fonction de la longueur. Donc attention, si la sangle est courte, on l'attrape tout en bas. Okay? À l'inspire, tu vas rendre les deux jambes vers l'avant. Et à l'expire, tu vas ramener au maximum les jambes vers la poitrine pour étirer le bas du dos. Si tu arrives à décoller le bassin, décolle un petit peu. Ok? Encore. Inspire devant. Expire derrière. Donc on descend au maximum à 45 degrés et pas plus. Ça marche? Encore. Inspire devant. Garde le menton rentré, le thorax droit. Expire derrière. Si tu n'arrives pas à décoller le bassin, surtout ne force pas. Il faut juste essayer de rapprocher un petit peu les jambes vers la poitrine. Et ça va vous préparer après pour le bon travail. D'accord? On ne peut pas avoir, par exemple, des abdominaux forts si on n'est pas assez souple au niveau du dos. Ça ne va pas ensemble. Parce que si un élastique est trop court, il ne peut pas faire grand-chose. Ça marche? Donc on essaie d'avoir les mêmes raisonnements au niveau du corps. En même temps, on cherche la mobilité en douceur. Et à maintenir son corps avec ses muscles profonds. Encore deux. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien, magnifique.
On va maintenant pouvoir étirer une jambe. Donc, on garde la jambe droite dans la sangle, on allonge la jambe gauche au sol complètement. Attrape ta sangle beaucoup plus près du pied. À l'inspire, tu vas plier le genou sur la poitrine au maximum. Tire avec tes bras. À l'expire, tend la jambe. 2, 3, 4. On refait. Inspire, plie le genou. Expire, tend la jambe. 2, 3, et encore. Très bien. Inspire, plie le genou. Expire, tend la jambe. Une dernière fois, plie bien, allez, continue à tirer avec tes bras, sans tes biceps travailler. Expire, tend. Ok, on va essayer de garder cette jambe au plafond, on lève la sangle. Ramène le pied droit, pardon, le pied gauche à plat au sol. Si ça tire trop, tu tends la jambe au maximum vers le plafond, pose les bras sur les côtés, on va faire 6 exercices. Il s'agit de faire vraiment les cercles rapide et régulier, tout petit, sans bouger le bassin. Et surtout, on bloque entre chaque répétition. On y va d'abord vers le bas. Inspire, expire, tu accélères et tu bloques la jambe en milieu. Ça marche, fais 2, expire, 3, expire, 4, expire, 5, on va faire 8, 6, expire, 7, expire. Et 8, très bien. Et là, on va changer le sens du cercle. On y va, inspire, expire. 2, expire. 3, expire. 4, et bloc. 5, bloc. 6, bloc. 7, bloc. Et 8, et bloc. Et relâche. Très bien, il s'agit vraiment de détendre la jambe au niveau de la hanche dans cet exercice. Reprenez la sangle. On essaie d'attraper sa jambe gauche avec la sangle. Bon, c'est pas si facile que ça au final, mais on essaie. Alors, profite que tu as la sangle, tends la jambe droite au sol. On y va, attrape de chaque côté. À l'inspire, plie le genou tout doucement vers la poitrine. Et à l'expire, on tend les jambes. 2, 3 et 4. Inspire, plie le genou de la poitrine. Et expire, tend la jambe. Et encore, inspire, plie, garde le menton rentré, expire, tendu, 3 et 4, encore deux fois, c'est assez agréable le matin, on s'étire avec la sangle, expire, tend, 2, 3 et 4, une dernière fois, inspire, et expire, tend. Très bien, on va pouvoir enlever la sangle. Essaye de garder la jambe tendue. Si tu arrives à garder la jambe tendue vers le plafond et ça ne passe pas trop mal au dos, garde la jambe droite tendue, sinon pliée. Et le bras sur les côtés, allonge au maximum encore plus contre quand tu fais les quadriceps. Mais dans la hanche, se relâcher. On y va. Inspire, expire. 2, expire. 3, expire. Stabilise ton bassin. Avec tes muscles, ton périnée, tes abdominaux, respire toujours dans le ventre. Encore 4, expire. 3, expire. 2, expire. Et 1, expire. L'autre sens, on y va. 1, expire. 2, expire. 3, expire. 4, bloque à chaque fois. Et bloque. Et 6, et 7. Et 8, allez, bravo, on peut détendre un petit peu, un genou, puis l'autre, étire vers la poitrine. On va reposer les pieds tout doucement au sol. On lève les coussins. Ok, on va passer aux abdominaux. Donc, on va aujourd'hui ramener les pins derrière la tête pour apprendre à la tête au fur et à mesure à rester relevé. À l'inspire, on ramène les bras derrière la tête. À l'expire, on roule la tête, on roule les épaules. On va lever les deux genoux au-dessus de la hanche et on va faire comme single leg stretch, mais sans coordination aujourd'hui, juste les jambes, les mains vont rester derrière. Tu fais inspire dans une jambe, expire dans l'autre. Bonjour directement, droite et gauche. Garde ton bassin neutre,
Tant petit espace entre le doigt et le tapis. 3 et 4, 45 degrés. Si tu sens que ton bassin bouge, dirige juste les pieds un petit peu plus haut. D'accord? Et single leg stretch, c'est-à-dire qu'on étire sa jambe. 5, 6, 6. Allez, encore, inspire, expire, inspire, expire. Si tu as un mal à la nuque, bien sûr, pose la tête au sol. Et encore une. Ok, et on relâche. Relâche bien les coudes. Le menton rentre très en se grandit, en se referme. On est prêt pour le deuxième exercice. On roule la tête, on relève le genou à nouveau au-dessus de la hanche. C'est les deux jambes qui vont se tendre. On va tenir 3 secondes. Tends et tiens 3, 2, 1, plie. Encore. 3, 2, 1. Première position pilates, on essaie déjà. Donc, talons serrés ensemble. 3, les jambes regardent vers l'extérieur. Descends pas trop les jambes vers le bas. Il faut pas que ton bassin bouge encore. 2, 3, 2, 1, plie. Yeah. Dernière fois, 3, 2, 1, plié. Très bien, et pose les doigts au sol. Parfait, on va pouvoir maintenant faire le ciseau. Donc le ciseau, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. On va lever les deux jambes vers le plafond, on va tirer sur la jambe droite et ramener la jambe gauche avec la même distance vers l'avant. Donc, il ne faut pas qu'elle descende tout au sol, on doit former une lettre V. Essaye de garder ton bassin neutre. Ici, si jamais tu as vraiment mal au dos ou tu es un petit peu plus moins souple, tu peux mettre ton coussin derrière ton bassin. On y va, 2 pulses. On va faire flex avec les pieds. Ce sera plus marrant. Droite, gauche, encore. Droite, gauche, et droite. Essaye de bien étirer la jambe vers la poitrine. Tire sur la cuisse. Et gauche, encore. Droite, garde la tête au sol et gauche. Si tu sens que la tête, tu peux la relever facilement, tu as pas mal à la nuque, on va continuer avec la tête levée. Par contre, tu attrapes un petit peu plus haut. Et toujours les jambes bien tendues et aujourd'hui on fait le flex. Allez, courage, gauche. Encore 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Parfait, on prend la sangle pour le dernier exercice ici. Placez la sangle derrière vos pieds. Au milieu exactement. Donc, il vaut mieux que la sangle soit un petit peu plus longue quand même. Tu essaies de rapprocher tes bras dans le sol pour détendre les épaules. On va faire en bas et en haut tout simplement. Garde le bassin. Inspire, tu descends les jambes. Un petit peu comme tout à l'heure, mais sans les coussins, à l'expire en main. Et tu vas sentir à un moment donné que ton bassin a envie de bouger. Donc si tu le sens, il ne faut pas aller plus bas, d'accord? Juste là où tu peux y aller. Et à la fin, pareil, tu as ton bassin neutre. Tu ne plaques pas les bas du dos dans le sol. Encore, inspire, maintiens la position du bassin. Expire. Encore, inspire. Expire. Encore inspire. Ça va terminer. Heureusement, ce n'était pas le visage. C'est pas grave. Encore, inspire. Expire. Vous avez participé à la massacre. Expire. Ok. Dernière fois, et c'est ce que je voulais faire à la fin, tu tends les bras, enroule la tête dans les épaules et tu viens t'asseoir. Alors normalement, je vous rassure, ça n'arrive pas. C'est juste que ces sangles que j'ai achetées ne sont pas de très bonne qualité. Ce n'était pas acheté dans un magasin de sport ni dans le magasin de pilates. Donc ne vous inquiétez pas, normalement, ces sangles sont de meilleure qualité que ça. On vient un petit peu assis. Et là, il faut essayer de vérifier si vous avez toujours le dos bien droit. Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Okay? Justement, on fait tout le travail à étirer cette zone. Venez vous asseoir sur vos coussins.
Voilà, une fois bien assis sur le coussin, pied flex, les jambes bien tendues, on pousse dans son assis, on inspire, étire les bras loin vers l'avant, on va prendre le deuxième coussin du coup. Tenir le coussin, à l'expire, tu pousses ton coussin vers l'avant, et ton dos vers l'arrière, tu resserres les abdominaux vers l'intérieur. Donc ici, les bassins neutres, c'est à partir des côtes où vous vous penchez un petit peu vers l'avant. À l'inspire, tu t'agrandis, retrouve le dos droit, garde les épaules basses, le menton rentré et on fait expire. Inspire, garde l'épaule basse, très bien, encore, expire. Pose les dos vers l'arrière. Inspire, dos droit. Et une dernière fois, expire. Et inspire. D'ordre. Très bien. Allez, on reste là. Essayez de tenir les bras. Essayez de tenir tes bras. Bon. Si votre coussin est un peu plus lourd, tant mieux. Comme ça, on a une petite charge pour la posture. Serre les périnées vers l'intérieur en inspirant ce grand du pouce dans ton assis. À l'expire, tu regardes toujours le milieu de ton coussin. Et tu tombes vers la droite. À l'inspire, on s'agrandit. Donc, c'est un exercice plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut garder le contrôle sur son bras droit. Et il ne faut pas laisser les bras partir plus loin que les épaules. Tout tourne en même temps. On va faire inspire au milieu. On rentre le menton, resserre les périnées. Expire à droite. Très bien. Encore. Inspire au milieu. Grandissez-vous. Rentre le menton. Et expire à gauche. Et une dernière fois, inspire au milieu, grandis, grandis, grandis. Expire à droite. Une dernière fois, inspire au milieu. Et sur la taille comme si c'était une serviette mouillée, carrément. Et inspire au milieu. Et on relâche un petit peu. Ok, on va faire le stomach massage. Restez sur vos coussins si vous voulez, mais si vous perdez l'équilibre, il faut le enlever. D'accord? S'il est assez grand, vous pouvez rester dessus. De toute manière, en arrondissant le dos, on va ramener ses pieds vers la hanche, pardon, le genou vers les épaules. Et toujours le genou légèrement ouvert vers les épaules. Ne resserrez pas comme ça, parce que ce n'est pas naturel. On essaie d'abord de détendre en même temps et travailler. Le talon reste serré, tu as le dos arrondi. Et au niveau du dos, ça va rester comme ça. D'accord? Les bras devant. À l'inspire, tu tends le jambes sans basculer le haut du corps vers l'avant. Regarde, le dos reste pareil. Et à l'expire, tu plies. Et si tu as encore un peu de la force, tu peux décoller le talon du sol. Reste en équilibre. Pose le talon. Inspire, tendu. Et expire, plier. Lève le talon. Yes. Encore, pose le talon. Inspire, tendu. Garde tes épaules détendues. Et expire, plier. Et décolle le talon. Yes. Encore deux fois. Ça va étirer les bas du dos si vous avez cette sensation dans les dos. C'est tout à fait normal. Expire, plier. Et relève le talon. Bravo, une dernière fois. Inspire, tendu. Expire, plie. Et on relève le talon. Allez, bravo. On va poser ce pied au sol. Ramener les bras derrière. Retrouve les deux bras. Et on va faire exactement pareil. Okay? Inspire, tendu. Expire, plie. Voilà, moi je le sors qui dit, je vais en profiter. Et décolle le talon. Maintenant, c'est le dos droit. On y va. Inspire, tendu. Pied flex, en dehors. Expire, plie. Décolle les pieds. Ça va, c'est pas trop dur. Attention, le coude, tu peux garder légèrement plié. Mais il ne faut surtout pas s'enfoncer dans ses épaules. Encore. Inspire, tendu. Expire, plié. Et décolle les talons. Une dernière fois. Inspire, tendu. Expire, plié. Et décolle. Allez, on va en profiter pour faire open leg rocker. Attrape les cuisses à l'arrière. Juste la préparation. Si tu as du mal à garder l'équilibre, tu poses les pieds au sol, sinon essaye de venir tout simplement en équilibre. Maintenant, tire tes épaules vers l'arrière, le menton rentré. À l'inspire, tends la jambe droite. À l'expire, plie. Si votre jambe ne monte pas en temps, ce n'est pas grave.
c'est pas le plus important. Juste gardons ton droit. La même distance entre la cuisse et la poitrine tout le temps. Expire, plie. Okay? Encore une fois, inspire. Expire, épaules basses. Maintenant, rentre dernière fois. Inspire et expire. Allez, on va faire le deux en même temps. Courage. Inspire et expire. Inspire. N'hésite pas à chaque fois à poser tes pieds au sol. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Et on relâche. Et là, on va se mettre sur le dos. Vous allez voir, ça va faire vraiment du bien. Donc, ramène les jambes vers l'arrière. Venez. Je dis sur le dos, donc je voulais dire sur le ventre, bien sûr. Sur le ventre. Pour travailler les dos un petit peu, pour étirer, pour travailler. Vous allez vous mettre donc sur les ventres, vos bras en cactus, c'est-à-dire à 90 degrés, les coudes alignés avec ton épaule. À l'inspiration, on se redresse. Pour le moment, on garde tes avant-bras dans le sol, glisse les avant-bras vers le bas du dos, rentre les montants. Et si vous sentez que vous êtes encore un peu plus souple du dos, tu peux légèrement pousser le sol avec le dos. Et tu reviens. D'abord, pose les coudes, toujours les épaules basses, et pose les fronts. On refait, inspire, étire un petit peu, pose les sols, expire. Si tu as mal au dos déjà, tu peux avancer un petit peu les mains pour que ça fasse moins mal, moins d'amplitude. Inspire, épaules basses, rentre les montants, expire. Encore inspire. On serre le périnée, expire. Encore deux, inspire. Expire. Bien, une dernière fois, courage. Inspire. Bloque le bassin avec tes abdominaux, expire. Allez, on va se mettre sur ses avant-bras. Écartez les coudes et joignez vos poings ensemble. Donc, un petit peu les doigts vers l'intérieur. Pour la poitrine, épaules basses. Resserrez les pieds à largeur des épaules, pas plus. On va faire single leg kick. Pour ça, chaque jambe va faire double kick vers les fessiers. Ça fait 1, 2, relâche. 2, 2. Tu vas étirer au maximum ta cuisse. Et ne pas bouger le bassin. Ouvre la poitrine, tous les corps réactifs. Pousse les sols avec tes avant-bras. Voilà, ça commence à être un petit peu l'exercice niveau 1. Niveau 2, je dirais, plutôt. C'est l'exercice niveau 2 sur une dernière. Donc, il faut bien se concentrer à maintenir son bassin fixe. Si tu as mal au dos, tu peux garder ton front aujourd'hui sur les mains. Donc, ça va faire un peu plus la préparation pour cet exercice. Encore. Au maximum, plie le genou. 2, 2. Encore. 2, 2. Et 1, 2. Et 2, 2. Deux dernières fois. Et un, deux, parfait. Et on pourra relâcher enfin. Allez, dernier exercice. Donc, on a étiré. On a étiré aussi. Et maintenu un petit peu le muscle stabilisateur. Et là, on va travailler un peu plus fort. Donc, tu vas poser les fronts sur les mains. On n'est plus décollé pendant tout l'exercice. Mais pendant que tu y es, regarde d'abord ce qu'on va faire. À l'inspiration, on soulève la tête sur les mains et les coudes du sol. Et à l'expiration, on reprend sa marche. Allez, on y va. Inspire, montez. Garde le ventre rentré, même si on inspire. Expire, posez. Encore quatre fois. Inspire, montez. Expire, posez. Continue. Inspire, montez. Expire, posez. Encore deux fois. Montez. Ça va une dernière fois. Inspire. Expire. Maintenant, on monte. On reste en haut. On allonge les bras derrière. Glisse les jambes plates. Lève les bras du dos. Faire les fessiers. Rentre les mentons. Resserre le périnée et les abdominaux. Et on reste 6, 5, 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Ça va? Allez, on va placer les mains près des épaules. À l'inspiration,
Pose le sol avec les bras, essaye de te relever d'un bloc. Et à l'extrême, ramène le bassin sur le talon. On étire bien son dos. Moi, hier, j'ai fait pas mal de soins. Enfin, des préparations de soins. Et du coup, aujourd'hui, je le dos courbaturé un petit peu. On va se relever tout doucement. Mon élastique cassé. Et on va venir maintenant faire un peu des exercices sur les côtés. Donc attention, tout simplement, vous allez prendre votre petit coussin. On va le mettre derrière la tête. Allongez-vous sur les côtés directement. Ok. On va faire ça un peu. Tendre les jambes complètement et ramener dans les coins du tapis. Donc votre dos est aligné avec les bords du tapis et les jambes dans les coins du tapis. On va commencer avec les petits cercles. Lève la jambe du haut et tu vas commencer à faire les cercles parallèles. Vers l'avant, 2, 3. Pendant ce temps, tu surveilles ton bassin, qu'il ne bouge pas du tout. 4, 3, 2. Et l'autre sens pour 8. On y va à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et 1 et on repose. Très bien. Maintenant, on va travailler les pieds. Faites les pieds pointe. Première position pilates. On va faire parallèle. On lève la jambe du haut. On fait flex. On fait pointe et on pose. Et encore. Monte. Flex. Pointe. Pose. 2. Flex. Pointe. Toujours dans la diagonale. Les jambes en 3. Allonge la jambe au maximum. Petit mouvement, serre le périnée, serre les abdominaux. Encore. 1, 2, 3. Pause, garde le bassin fixe. Très bien, encore deux fois. 2, 3. Dernière fois. Ok, on va essayer les kicks devant. On fait flex avec les pieds. On va faire 2 kicks devant. Et tu ramènes la jambe derrière en pointe. Encore deux kicks. 1, 2 et pointe. Encore. 1, 2 et pointe. Encore 2. 1, 2 et pointe. Courage. Une dernière fois. 1, 2 et pointe. Allez, bravo. On va pouvoir plier cette jambe. On va faire la bicyclette. Ramène les genoux au maximum vers la poitrine. Tu tends la jambe devant. Tu ramènes derrière, au maximum tendu. Comme on ne peut plus tirer tendu, tu plies le genou, la chaise. Et tu ramènes vers l'avant, genou vers la poitrine. Tu tends au maximum. Ramène vers l'arrière. Tu plies au maximum. Et une dernière fois. Devant. En bas. Derrière. Et puis, et on va dans l'autre sens, avec derrière, au maximum, comme si tu voulais toucher ta tête avec la pointe des pieds. Allonge, devant, plie genou, encore. Derrière, allonge, devant, plie le genou, encore une fois, derrière, allonge, devant, et plie le genou, et on va en profiter, pose le genou devant. Alors, on va faire un étirement du dos. Donc, les bras qui étaient sous la tête, on les met devant, on ferme un petit peu les bras. Et on va faire quelques ouvertures. À l'inspire, tu ouvres, tu regardes derrière, tu essaies d'aller chercher le sol. Et à l'expire, on ferme. Encore deux fois, inspire. Mets bien le dos. Expire. Une dernière fois, inspire, serre le périnée, expire, super, on va se relever tout doucement, on pousse le sol avec les bras, on va faire une merveille, attrape ta cheville avec la main, à l'inspire, on s'agrandit, si cette position ne vous convient pas, pardon, d'abord, on pourra écarter un peu plus le jambe, ou tout simplement, une jambe tendue, une jambe pliée, ou même deux jambes tendues. Voilà, on peut modifier par rapport à les conditions au niveau du bassin, mais essayez plutôt de vous asseoir comme moi. Ok, on y va, inspire,
Lève le bras, expire. On laisse s'étirer. Tire la somme du crâne vers le ciel. Inspire, repose la main au sol, lève l'autre bras. Et là, on va plier son coude. Il ne faut pas laisser les poils tout en haut. Tu peux éloigner ton bras si nécessaire. Encore une fois, inspire, attrape la cheville, expire. Yes, une dernière fois, inspire, pose la main tout doucement, glisse au niveau du coude, expire. Parfait. Et puis, on se redresse. On va changer de côté et on va directement commencer avec le mermaid. À l'inspire, lève les bras. À l'expire, inclin, étire, détasse les côtés. Inspire, lève les bras, pose la main au sol, lève l'autre. Expire, glisse tout doucement. Si tu peux poser les coudes au sol, si tu arrives à garder l'épaule basse, encore inspire, attrape la cheville. Expire. Épaule détendue, une dernière fois, inspire. On se détache, on s'agrandit. Expire. Et super, on va venir maintenant sur les côtés. Prendre le coussin. À nouveau poser entre la tête et les bras. Les jambes tendues et vers l'avant. Très bien, on va commencer avec le cercle. Lève la jambe du haut, elle est parallèle en bas. 8, 7, 6. Là, ton bassin fixe. Si tu arrives, garde un léger espace entre la taille et le tapis. Donc le bassin est bien. Perpendiculaire au sol, 1, l'autre sens, 8, 7, prends toujours la jambe du sol. En fait, il faut essayer de régulariser les cercles pour retrouver vraiment la conscience du milieu musculaire, la coordination, 2 et 1, et pose. Allonge au maximum, pointe des pieds vers le bas. On fait lever, pied flex, pied pointe, et pose. Et 2, flex, pointe, pose. 3, pousse légèrement ton coccyx vers l'arrière. On resserre le périnée et on relâche un petit peu les fessiers. Donc celui à l'arrière, il est relâché. Celui sur les côtés, il travaille beaucoup. Encore 2. 1, 2, 3. Et dernière fois. Lève, flex, pointe et pause. Bien. Et comme d'habitude, j'ai oublié la suite. Je rigole. On va faire flex avec les pieds. Deux kicks devant et allonge derrière. Ça va? Vous avez encore un peu la force dans les fessiers? Allez, kick, kick. Allonge. Coussin, deux fois. Allez loin. Deux, deux. Allonge. Et trois, trois. Allonge. Garde ton bassin fixe. Quatre. 4, tu peux faire moins d'amplitude, bien évidemment. On essaie d'aller plus loin possible pour sentir que ça tire un petit peu. Et ça s'allonge. Allez, bravo, bicyclette. Plie la jambe, ramène vers l'avant, ramène vers l'arrière tendu. Une fois au maximum d'amplitude, replie à nouveau. Tire le pied vers la tête, tire le genou vers la poitrine, tire le pied vers le visage. Allez, derrière, plie. Devant, déplie, derrière, plie, devant, déplie, dernière fois, derrière, plie, devant, et l'autre sens, plie, pied vers la tête, déplie, loin devant, plie, pied vers la tête, derrière, devant, encore plie, derrière, au maximum. Encore deux fois, courage. Et dernière, plié. Et on repose le genou devant, bravo. Ok, ramène le bras devant, on ferme le doigt comme un crocodile. Elle inspire, ouvre derrière. Elle expire, ferme devant. Allez, inspire, ouvre, garde le genou bien ancré dans le sol. Si tu ne touches pas le sol derrière, ce n'est pas grave. Ferme devant. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Allez, bravo. On va faire deux derniers exercices. Plie le genou.
On se relève tout doucement sur sa main. On va poser tout doucement les pieds au sol, à l'arrière des épaules, les bras derrière, les mains en direction vers l'extérieur. Si tu as les coudes qui partent dans l'autre sens, plie un petit peu le coude. À l'inspiration, on relève son bassin. On maintient 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose tout doucement. Et on habitue un petit peu les poignets aussi. N'aie pas peur pour tes poignets. Il faut les habituer aussi pour les appuis, pour qu'ils nous protègent après, au cas où on tombe, etc. On refait, inspire, et tiens, 5, 4, 3, resserre les périnées des abdominaux, et 1, et on repose. Allez, courage, on fait une dernière fois, inspire, et on tient, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Et bravo. Dernier exercice. On va venir assis, ouvre le genou vers l'extérieur, glissez les mains sous les chevilles, essayez d'attraper les chevilles, soulevez, repoussez les cuisses avec les coudes et les coudes avec les cuisses pour bien stabiliser. On serre les abdominaux. Au début, on essaie de retrouver le dos droit, on fait trois tapes avec les pieds. Après, on s'arrondit, on laisse se déséquilibrer, s'enrouler sur la nuque, on revient. Si vous êtes revenu, continuez. Si vous êtes arrivé au sol et vous ne pouvez plus vous relever, restez au sol, la tête tirée et juste ramène deux genoux sur la poitrine. Et sinon, continuez avec moi à masser les dos. Expire. Inspire encore. 3, 2, dos droit, dos rond. Encore. Dos droit, 2, 1, dos rond. Encore. 3, 2, 1, dos rond. Dernière fois, 3, 2, 1, dos rond. On relâche les bras, avec l'aide des bras, on essaie de se relever directement. Allez, bravo. On va garder les pieds parallèles à la largeur du bassin. À l'inspire, étire les bras vers le ciel. À l'expire, on enroule à nouveau la tête, les épaules et on laisse les doigts un petit peu se relâcher en bas, garde les jambes tendues. Relâche la tête, tu peux fermer légèrement devant. À l'inspire, plie le genou. Et à l'expire, déroulez dos vertèbre par vertèbre. On va faire déjà une dernière inspiration ensemble. Après, tu peux continuer à respirer tout seul. Et expire, tu relâches tout. Et puis, je vous remercie beaucoup. Voilà, on a fini notre cours aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était bien toujours les bases. Il faut essayer de toujours même revenir dans les bases si vous êtes un petit peu plus avancé pour laisser le corps aussi l'espace, laisser tirer, faire un peu plus de mobilité que renforcement musculaire. Voilà, on a travaillé donc tous les corps. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo avec la vraie méthode Pilates et de liker aussi pour qu'elle ait plus de visibilité. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve demain, il y aura le yoga. Je crois que c'est Hatha Yoga. Jeudi, yoga dynamique. Vendredi, Pilates intermédiaire. Voilà, le planning pour la semaine. Vous pouvez déjà vous mettre en attente dans mes cours à suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.